Salut, c'est Blablack, bienvenue sur ma chaîne Blablack City. Il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a ma life et les DVD aussi. En ce moment, je suis dans une obsession des DVD que j'ai acheté des lots, j'ai trouvé des lots à Vinted, c'est incroyable. Et alors, Vinted, c'est absolument fantastique parce que. Alors, j'ai acheté ça, Lidl, tiens, j'interromps Vinted, 2 minutes. Sorry, la Lituanie. J'ai acheté ça, Lidl, Select and Go. En promo, et ben c'est bon. Mon Dieu! Et ben c'était super bon. Et en ce moment, je bois Feel Tea, thé vert infusé glacé, saveur menthe de chez Lidl. Oh, faut que j'en ai presque vomi mon sandwich. Non, je plaisante. Donc je disais, c'est incroyable parce que Vinted, il y a des publicités qui se mettent sur ma page. Pas de Vinted, de produits. Alors moi, ce que je fais, je tape sur le site des produits officiels et ensuite je vais regarder sur Vinted si ça y est. Et devinez quoi? C'est la déconsommation totale. C'est-à-dire que les publicités m'aident à retrouver les produits sur Vinted et je les retrouve sur Vinted moins cher que sur le site officiel. C'est juste fabuleux. Thank you very much, Vinted. Merci la Lituanie. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Viva Lituanie. Voilà, j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit, je suis con. Je suis con, c'est un haul. Mais alors, j'ai préparé. Faut que je raconte. J'ai mon décoloré. Comme quoi, ça peut faire un style, un vêtement décoloré. J'ai préparé mon chiffon et mon sif. Le cheat-cheat pour nettoyer. Parce que j'ai un haul DVD de 75 DVD, je crois. Ou 75 ou. Pas 35, je crois c'est 75. Oh, oui, 35, c'était le prix que j'ai acheté. Mais il est énorme. Et alors, je l'ai mis dans mon sac en vélo, faut imaginer ce que c'est. Dans mon Lidl It Bag, j'ai mis tout ça. Et donc c'est un énorme haul aujourd'hui. Je crois qu'on va le faire en 2 fois. Parce que. Le faire en une fois, ça va pas être possible. Il y a trop de DVD. Il est big de chez Big, comme dans Carrie Bradshaw, Big. Et j'aurais aimé voir ce qu'il avait de Big. On dirait que je suis sous, mais j'ai rien bu, hein, à part du thé glacé de chez Lidl. Alors, je lui fais sa fête à ce carton et je le démonte. Je lui fais sa fête. Et oui, parce que chez moi, ça rigole pas. J'ai failli me couper, mais c'est pas grave. Et j'ai encore failli me couper, mais c'est pas grave. Enfin bref, je lui fais sa fête. Je lui fais son big, sa big fête. À ce carton, à ce. À ce. Mais moi, je suis comme un gamin, hein, pour me voir. Mais même mes vidéos, elles me font rire quand je les regarde. C'est un truc de fou. Donc, elle a mis du papier vert. Vert olive comme je déteste, mais c'est pas grave. Oh oui, en fait, elle a pas mis le. Oh, ah si. Oh super, je suis content. Je croyais qu'elle avait pas mis. Elle a mis Prison Break, putain de merde. Alors. Merci pour votre confiance. Bien qu'il soit bénéfique de méditer sur les pratiques de l'éveil de l'esprit et de provoquer une transformation mentale, vous n'avez pas besoin de vous comporter ou de parler de façon inhabituelle pour montrer que vous êtes à présent une autre personne. Toutes nos pratiques visant à l'entraînement de l'esprit doivent être invisibles de l'extérieur et conduire intérieurement à une grande amélioration. Oh, bah c'est très philosophique et c'est pas tout à fait faux ce qu'elle dit. L'esprit, c'est extraordinaire, hein, l'esprit. Moi, j'ai un esprit, mais alors, il faut voir. Donc, en fait, il y a combien de DVD? Je vais les compter. Et je veux pas de ce vert olive de merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Oh, waouh, il y a 70 DVD en fait que j'ai acheté. Donc on ne peut pas se faire une vidéo en entier. J'en fais une partie aujourd'hui et j'en ferai l'autre bientôt. Heureusement, j'ai mon siège. Donc on commence. On commence par là. Fais voir. Oh, Dubosc, que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout son humour. Donc déjà, ça commence mal la vidéo. Mais écoute, je le revendrai. Puis ça se revend du Dubosc de toute façon. Donc Dubosc, ok, mais no comment. Alors. Oh, les 11 commandements. Michael Youn que je regardais dans Morning Live, version XXL. Ça se revendra aussi. Le swing. Oh, ça aussi, je suis dégoûté. Bon, bah, déjà 3 DVD de nul que j'ai pas vu. Le baiser mortel du dragon. Un film de Chris Nahon. Oh, pourquoi pas, mais les Chinois, c'est pas trop mon truc. Oh, je l'ai, putain de merde, mais ça commence super mal, merde! Ça commence super mal, ça je vais le revendre. J'ai pas dit ce que c'était, c'est Charlie Angel. La planète des singes. Je l'ai aussi. Déjà 5 DVD dans les fesses. Oh, Volteface, Travolta, Cage. Ça je l'ai pas. Qui est qui? Où il est bien? Où il est mal? Alors, où est le bien? Où est le mal? Pardon. Donc ça je le regarderai. Parce que c'est vrai que c'est. Oh, allez hop! The Watcher, je le voulais avec Keanu Reeves. Ah oui, il peut me baiser quand il veut. Je suis désolé. Je suis désolé. En ce moment, c'est la samba dans ma tête. Oh oui, je le voulais celui-là. Alors, je suis content. Je sors, je vois le couloir en fait. Je vois ce qui est big. Keanu Reeves, The Watcher, je le voulais. Je voulais le voir. James. Le bien n'existe pas sans le mal. Et oui, c'est terrible, mais c'est vrai. Donc je suis ravi de The Watcher, je vais le regarder. Alors ça, c'est sûr. Oh, Bigard non plus, à vendre. Je suis désolée, moi j'aime Sandrine Alexis. Le transporteur, mais putain, je l'ai vu, j'ai déjà vu ce film. Il est pas mal, Jason Statham, mais c'est pas mon délire. Enfin bref. Pour le moment. J'ai 5 DVD pour Prison Break, mais Wentworth Miller, mais putain, je l'ai déjà! Je l'ai déjà! Putain de merde! Dis donc, dans mes 35 DVD, il va pas en avoir beaucoup que je vais regarder, hein. Twin Wolf, The Complete Season, putain de merde, elle est en anglais? Fais chier, mais c'est pas possible! Oh. Tu vois, quand t'achètes en lot, en fait, tu te fais baiser, hein. Oh, ça je le voulais depuis longtemps, je le voulais, American Pie. Parce qu'en ce moment, je suis dans une phase. J'ai des phases dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai des phases de DVD d'aventure, de science-fiction, d'horreur. Et là, en ce moment, je suis dans une phase de comédie potache, caca, pipi et tout ça. Donc, je suis super content. American Pie vous fait l'intégrale. Oh, je le voulais, je vais regarder ça, je suis trop content. Je suis content, j'ai Keanu Reeves et j'ai American Pie, parce que moi ça me fait toujours rire, American Pie. Et je suis trop content de l'avoir, je vais acheter tous les dérivés des DVD d'American Pie. J'adore tout ce qui est potache et tout ça. Donc je suis ravi. Donc déjà 3 contre 6 DVD que je Arsène Lupin, mais je le veux pas, putain. Putain de merde. J'ai rien contre Romain Duris, mais.
Les films français, je regarde pas, c'est terrible. Je les revendrai, puis c'est tout. Transporteur 2, mais pitié! Pitié, Jason! Pitié! Ça se... Quand je m'emmerderai vraiment, je regarderai, mais c'est même pas sûr. Oh! J'espère qu'il est en français. Une cruauté insoutenable, la meilleure torture porn depuis Hostel. Oh mon Dieu, quelle horreur! Ah oh, ben je suis content. Quelle horreur. Oui, c'est quelle horreur. Mais je l'ai même pas regardé. Je l'ai pas même pas montré. Je sais pas ce que c'est comme film. Donc celui-là, je vais le regarder, c'est sûr. Donc pour le moment, j'ai American Pie. Je suis content. Parce que les DVD potages, ce mois-ci, ça va y aller. J'adore tout ce qui est Jackass et tout ça. Parce que je regarde beaucoup de films d'horreur. Ça, c'est vrai. Je regarde aussi beaucoup de films d'aventure. Mais aussi les films potaches à la Ben Stiller et tout ça. J'adore ça. Oh, mais non. Mais putain, Best of H. Non, mais non, mais non. Je le veux pas. Je le veux pas. Je vais le vendre. Oh, Destination Finale 5, je l'ai vu! Putain de merde! Oh, l'acteur, il est magnifique! Comment il s'appelle? De toute façon, je vais les revendre, hein, ceux que je veux pas. Le brun, là. Je sais plus comment il s'appelle. Nicolas Agostino. Oh là là! Oh, oh là là, il est magnifique! Les Châtiments, quelle horreur! Un thriller terrifiant qui vous glacera le sang. Il est tout neuf, alors je le regarderai. J'adore les thrillers. Oh, je regarde aussi les thrillers, hein. Pour le moment, ça va. Mais comme il y en a 70 de DVD, je ne vais pas non plus me plaindre. Rencontre avec Joe Black. Je ne l'ai jamais vu ce film. Tout le monde en parle, mais je l'ai jamais vu. Brad Pitt, Anthony Hopkins. Il est connu, hein. Anthony Hopkins, il est très connu. Il doit avoir au moins 90 ans, Anthony Hopkins. Donc ça, je le regarderai. Et j'ai montré les châtiments, je crois pas. Voilà, ça, je le regarderai aussi. Pour le moment, le Big Mama, je l'ai, putain de merde. Puis Destination Finale encore. Je l'ai, ce DVD. Je l'ai même pas regardé. Parce que, en fait, j'étais pas dans un esprit... Destination Finale, putain, je les ai tous et on me les fourgue en double, en triple. Excellent premier opus, ça a 20 ans, j'en reviens pas. Non, mais putain, Charlie Angel, je l'ai, je l'ai, j'ai le coffret complet. C'est ça d'acheter en gros. C'est que tu doubles pour le moment. J'ai au moins une dizaine de DVD que j'ai déjà et j'en ai 4-5 que j'ai pas. The Good Shepherd. Raison d'État. Découvrez la vraie histoire de l'organisation la plus puissante du monde. Oh, oh bah c'est la mafia. Oh bah ça je vais regarder parce que la mafia moi je m'y connais maintenant. Donc une formidable plongée dans les renseignements américains. Oh oui, ah bah ça va être génial. Ça va m'en apprendre. Parce que moi on m'a mis... Enfin bref, je vais pas raconter mon histoire tout le temps parce que sinon... Les renseignements français, ça existe. Hein. Ils se sont renseignés sur moi quand j'ai eu des... quand j'ai les problèmes que j'ai. Ils se renseignent encore sur moi en ce moment, pensant que j'ai des trucs à me... Pas du tout, en fait. Ça, je vais regarder. Il y a Angelina Jolie en plus. J'adore cette actrice. Allez, hop. Un peu de courage pourvu que je l'ai pas. Oh, Matrix Révolution, mais... Oh, Keanu Reeves, heureusement, il y a Keanu Reeves. Heureusement, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai. Putain de merde. Je l'ai, putain de merde. Kyo, oh, quelle horreur. Bah alors ça, tu peux être sûr, je vais le vendre. Je le montre même pas à caméra, ça vaut pas le coup. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ah oh bah ça, c'est un truc d'aventure que j'avais vu il y a très longtemps avec Sean Connery. Il est toujours vivant, Sean Connery, oui. Je vais le regarder, ça. Oh non, Elise Moon, non merci. Non merci, mais alors non merci, c'est no, no, no. Transformers 3, mais putain de merde! Transformers 3, je vais voir. Je l'ai jamais vu. En fait, je les ai jamais vus les 3. Oh, j'en ai vu qu'un. J'étais même allé au cinéma le voir.
Oh, Ben Stiller. Oh, Marie à tout prix et Dodgeball. Oh, mais je viens d'acheter Marie à tout prix. Oh, mais c'est pas possible. Vinted me fait souffrir. Non, j'adore Vinted. Je plaisante. Dodgeball, ça, je vais regarder. Ben Stiller, j'aime bien aussi. Et Marie à tout prix, je viens de l'acheter. Bah, c'est pas grave. Allez, c'est un coffret, on s'en fout. Ça fait combien de... Ça fait 15 minutes, Jurassic Park 3. Bah pour le délire, mais c'est quand je m'emmerderai. Ouais, je verrai bien. Et oh, Arthur, en vrai, quelle horreur. Bah ça, je vais le vendre tout de suite, ce soir. Ben, il est pas content d'être venu. T'as vu la tête qu'il fait? Il est pas content d'être arrivé chez moi. J'en fais encore une dizaine de DVD. Encore une dizaine. Il est tout neuf, Arthur, en vrai, mais je m'en fous. Par pitié. La mémoire dans la peau. Avec il était l'arme parfaite jusqu'à ce qu'il devienne la cible. Oui, mais c'est terrible. Hein. Et les Américains, ils sont fous quand même. C'est dingue les films qu'ils font. Donc avec Matt Damon, je regarderai ça. Polly et moi. Oh, Jennifer Aniston, je l'aime pas. J'ai jamais compris pourquoi ils en avaient fait une superstar, mais enfin. Bref, c'est pas grave. Polly et moi avec Ben Stiller. Mais ça se trouve, ça va être drôle. Ah bah déjà, il montre des WC, alors ça va être drôle. Parce que les WC, c'est drôle quand même. Je suis dégoûtée. Non, je plaisante, je regarderai Polly et moi, je donnerai mon avis. Ah mais je vais donner mon... J'ai regardé... Je l'ai même pas dit. J'ai regardé mon premier film, le premier film du mois de... Et je dois en regarder encore... Encore quatre! Parce que j'ai regardé mon premier film du mois de février. Donc j'ai quatre films encore à voir. À regarder. Putain, Bigard met le paquet. Non, moi, je préférais Big. Big de machin. Putain, mais c'est pas en français. Ah si, c'est bon. C'est dur. Predator 2. Oh, je vais le regarder celui-là. C'est sûr. C'est sûr. Résurrection. J'aime pas Christophe Lambert. Et c'est quoi l'histoire? Le temps est venu de juger les morts et de compenser tes serviteurs, les prophètes. Quelle horreur. C'est quoi l'histoire? Dans le lignée de Seven, un thriller malsain et éprouvant. Ah, quelle horreur. Bah, peut-être ça va me plaire, en fait, je sais pas, on verra. J'aime bien les thrillers, mais je sais pas. L'âge de glace 2, mais je regarde pas les trucs d'animation. C'est bien fait, hein, c'est super. Il y a Pixar, les studios Pixar et tout. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vient de chez Pixar, mais... Je le revendrai. Ben pour le moment, c'est un. J'en suis à combien de minutes? 18 minutes? Oh, Total Recall, je le voulais. Oh, super. Avec Colin Farrell. Oh là là, s'il pouvait me faire Farrell tous les soirs. Donc ça, je le regarderai. Je ne l'ai jamais vu, je suis content. Oh, Keanu Reeves, mais elle m'a inondé de Keanu Reeves. Parce que Matrix Reloaded et puis Matrix, elle m'a inondé de Keanu Reeves, elle a compris. Putain, fais chier. On les fait tous les DVD en fait. Dubosc, non. Non, Dubosc, je suis désolée, mais c'est non. L'âge de glace Rio, non plus. Science-fiction. Science-fiction. Julia Roberts, l'expérience interdite. Flatliners. De l'autre côté, c'est beau, c'est érotique, c'est terrifiant. Ils savent, ils ont franchi la ligne. Ah bah ça, je veux bien le croire. L'expérience interdite, moi je regarderai. Ça, je sais pas du tout. Oula, je sais pas du tout ce que c'est comme film. Mais je vais même pas vérifier les DVD. Non mais c'est bon, ils y sont. Bon, il y en a une. Oh, mais putain, mais putain. Elle était fan de Bigard et Destination Finale, mais je les ai tous, Destination Finale. Elle est fan de Bigard. Parce qu'elle a que du bigard. Mais bon, je vais pas me plaindre. Allez, il en reste encore. Schwarzenegger, Total Recall. Oh, super.
Voyage au centre de la mémoire. Oh, mais moi j'ai une mémoire d'éléphant, c'est extraordinaire. Je vous l'ai pas dit. Alors ça, je vais le regarder, tu peux être sûr. Tu peux être sûr de sûr de sûr. La mort dans la peau, quelle horreur. Matt Damon et Jason Bourne. Ça, je vais regarder parce que je les ai jamais vus. Voilà, ça je regarderai parce que je les ai jamais vus. Rainbow Pride, Polly Pocket, je suis désolée, je regarde pas ce genre de machin. Oh, l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on est en plein dedans maintenant. Hein. La machine est lancée depuis déjà un moment hein, sur l'intelligence artificielle. On nous dit rien à la télé, mais c'est, je peux vous dire, c'est quelque chose. Ça, je l'ai jamais vu, je suis content de l'avoir. Putain de merde, je suis ravi. On est à 20 minutes, les guys. Ah, oh, Brad Pitt. Inglourious Bastard. Je l'ai déjà vu. Mais je vais quand même le regarder de nouveau. J'aime bien. Il y a une scène incroyable avec Diane Kruger. Putain, c'est en train de tout tomber. Allez, on y est presque. On aura fait 70 DVD. Les indispensables. L'armée des 12 singes. Oh, je l'ai jamais vu celui-là non plus. Je le regarderai. Bon, au moins, elle a mis des trucs que j'avais pas trop vus, c'est bien. Mais il y a plus de choses. Amour et amnésie. J'espère qu'il est en français, oui. Ouais, ben, les comédies potaches, romantiques et tout ça, en ce moment, je suis en plein dedans. J'ai vu plein de trucs. Narnia, l'Odyssée du passeur d'Aurore. Ah ben, je regarderai ça, tiens. Narnia, je l'ai jamais vu non plus. Un cocktail d'action et de merveilleux. Ah oh bah super. C'est tout ce qu'il me fallait. Elise Moon, non du tout, je suis désolée. Oh, Point Break. Oh, je le voulais, ça y est, je l'ai. Oh, Keanu Reeves. Keanu Reeves, Point Break. Oh, je suis trop content de l'avoir. Alors, un film culte au casting époustouflant. Patrick Swayze et Keanu Reeves. Ouais. Alors, course-poursuite, braquage sanglant, cascade aérienne et séquence de surf à couper le souffle, un mélange explosif 100% adrénaline. Ouais, oh, Keanu Reeves, il va m'emmener sur son surf, bien droit. Faire surfer, Keanu Reeves, ouais, y a pas de souci. Hein. Calcul meurtrier, quelle horreur. Par le réalisateur de GF Partageral Apartment. Leur plan était parfait, presque parfait. Ah oh, oui, ça je veux bien y croire. Oh, je peux te dire que je veux bien y croire, que je veux bien y croire. Oh, 13 fantômes, je l'ai. Je suis dégoûté, je l'ai. Massacre à la tronçonneuse, je l'ai aussi. Putain de merde, ils sont tous tombés, ils sont tous tombés. Ceux que j'avais rangés d'un côté. Narnia, je le veux. Et Polly Pocket, machin, non. Massacre à la tronçonneuse, d'après une histoire en vrai. Je l'ai vu. Il est horrible. Mais alors, c'est l'horreur absolue. On est à la fin, par pitié. Et je viens de. Alors, DMX, David Arquette, Michael Early, Never Die Alone. Je l'ai jamais vu. Après viol. Harpe. Non. Âpre, violent, ravageur. Je l'ai jamais vu. Mais je le regarderai. En tout cas, je suis content parce qu'il y a American Pie. Le dernier empereur, je ne regarderai pas. 9 Oscars, mais je m'en fous. Souviens-toi des derniers putains de merde. On finit avec que des DVD que j'ai en double, en triple, en quadruple. Je vais tous les remettre en vente, de toute façon. J'ai pas le choix. C'est français. L'école paternelle. Oh ben non, mais ça va être chiant. Hop. Destination finale 2, mais il est excellent, mais je l'ai déjà, bordel. Un prince à New York. Allez hop. Celui-là, je l'ai jamais vu. On le montre, je le regarderai certainement. 60 minutes go, mais je l'ai déjà. Heureusement, le coffret coûtait pas cher, parce que là, j'aurais été dégoûté d'avoir des. Je l'ai déjà, celui-là. Ah,
Dieu, c'est la fin, c'était le dernier, j'en reviens pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et ben voilà. C'était un haul DVD chelou de chez Chelou. En gros, il y a plus de choses que j'ai déjà que je n'ai pas, mais il y a des films dont je voulais, donc je suis contente de les avoir, et des comédies potaches. En ce moment, j'ai envie de rire, j'ai envie de choses vraiment nunuches, voilà. Donc je suis content, je suis quand même ravie. Il était gros, ce, putain, il était, je suis allée le chercher, je peux te dire, c'était lourd. Oh, c'était blabla, il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a les comédies potaches et les DVD aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, je le dis jamais, parce que ma chaîne, même moi, je regarde mes vidéos et elles me font rire. Donc c'est juste incroyable. Et donc, bah, n'hésite pas à faire un petit tour. Je parle de tout, j'adore critiquer, faut que je le dise. Moi j'ai un avis sur tout de toute façon. Et j'ai une vidéo mode qui va sortir. Ah oui, j'ai ma saison haute couture qui va sortir là. Je suis en train de la télécharger sur l'ordi. Enfin bref. Donc n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne, j'en serais ravie. À t'abonner, ça peut être drôle si tu t'emmerdes et t'as 5 minutes à perdre avec moi. On peut rigoler ensemble. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a Blablac City et les DVD aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Salut!